Fan de Snabel. Ça fait peur. Va falloir qu'on s'entraîne. Ouh là là. C'est le seul moyen. Et voilà. Nous devons ouvrir cette porte. Qu'est-ce que vous attendez? Venez. On vous dit de pas bouger. Putain, Jason. L'ennemi de notre ennemi est notre ami. Rouille, amène-toi. Aide-les, je m'occupe du couloir. Merde, vite! Peut-être qu'il était en train de braquer le mec là. Ça va, ils ont pas l'air stressés. Avec son collier là qu'il y avait au début. Ah, j'avais vu. Non. Ah, je pense qu'ils sont là.
Ça t'apprendra à faire chier un marine. Ouha. Aziz, lumière. Attends, mais je sais pas ce que c'est. Putain de merde! Ne faites plus un geste! J'ai fait exprès parce que je voulais pas le tuer. Tout ce merdier, c'est votre faute. Si vous nous aviez pas tendu un piège, on serait pas en pleine galère. Je ne veux vous faire aucun mal. Je le jure. Sans blague. Je suis le seul à être armé. Honnêtement, je suis content de voir un visage humain. Moi aussi. Votre ami a dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ce n'est pas toujours vrai, mais si nous tenons à survivre, nous devons nous allier. L'épée et le bouclier. C'est un peu trop un télo pour moi. Mais d'accord. L'espace d'une seconde, j'ai un doute sur vos intentions. Vous pouvez me croire. Je vous aligne direct. Je tue des vampires. Vous croyez que j'ai peur d'un marine ? On dit qu'il faut garder ses ennemis plus proches que ses amis, mais pas comme ça. Mais aussi, situation désespérée, mesure désespérée. Beaucoup sont morts en ces lieux. Ça a toujours été comme ça dans votre pays? Vous ignorez tout de notre longue histoire. J'en ai assez vu comme ça. C'est typique. L'histoire est un concept abstrait pour les Américains. Ce qui ne vous met pas en valeur n'existe pas. J'ai toutes les infos historiques que je veux à la télé. Voilà. C'est exactement ce que je voulais dire. Oh, c'était une plaisanterie. Ah, ou alors vous en savez pas plus que moi. On dirait que c'est ici que les archéologues avaient dressé leur camp. Il faut que nous arrivions à passer par là. C'est de la dynamite. Ça devait être là qu'ils gardaient les prisonniers. Des sacrifices, peut-être.
j'avance parce que je me dis de toute façon il faut avancer. Attends, c'est quoi là? Suis-moi avec ton fusil. Et il est où Jean-Pierre Raffarin là? Aziz, lumière. Si vous avez pas la réponse, c'est notre seule option. Un de nous deux retient la porte. Dans le et l'autre se faufile en dessous. C'est bloqué. Il va falloir trouver un autre passage. Je crois qu'il y a un passage. Il faut juste le dégager de mon côté. Dépêchez. Ces choses peuvent être n'importe où. Vous avez une idée de ce que sont ces choses? Ce sont des vampires. N'importe quoi. Mon père m'a dit un jour, si ça ressemble à la merde, et que ça sent la merde, tu n'as pas besoin d'y goûter pour savoir ce que c'est. Croyez-moi, ce sont des vampires. Pour les vaincre, on devra s'unir. C'est le seul moyen. Ouais, c'est aussi l'impression que j'ai. J'aime pas ça. Il y a un truc qui va lui attraper les pieds là. Ah putain. Merci. Il a fallu lui mettre un coup de barre de fer. Ça va, il est bien là, Salim, avec les autres, s'entend bien, c'est cool. Ah, la caméra est un peu mieux quand les salles sont plus grandes, parce que sinon c'est vraiment le calvaire. C'est quoi la première chose que vous ferez quand on sera dehors? Embrassez mon fils.
Et vous? Que ferez-vous? Moi, j'irai sans doute boire un verre. Invraisemblable se produit. Alors que j'étais assis près de ma femme, j'ai remarqué quelque chose dans sa main. La broche de Lady Bradshaw. Elle avait dû l'arracher en s'agrippant à elle. En retournant la broche, j'ai remarqué qu'elle ressemblait à l'une des créatures que nous avons sorties des cocons. Étaient-ce les démons dont Marie parlait? Bradshaw savait-elle depuis le début ce que nous trouverions ici? Ensuite, le cadavre de Marie a bougé. Ce n'était plus ma femme, mais quelque chose d'inhumain. Prise de fureur, elle a bondi sur moi. Et c'est au barreau de la cellule que je dois ma survie. Vous avez l'air d'avoir la tête sur les épaules. Alors je piche pas. Qu'est-ce que vous foutez dans l'armée de Saddam? Pour nous, ce n'est pas un choix. Marine, c'est pas très courageux, c'est lui qui devrait être devant moi là. Moi j'ai un briquet, y'a pas moyen d'allumer ça là. Nick, votre ami. Je l'aime bien. Il s'est montré bon. C'est le contexte. Dans d'autres circonstances, il vous aurait abattu. Y'a pas moyen d'allumer. C'est dommage qu'on puisse pas utiliser plus les éléments du décor. Que signifient ces marques sur votre casquette? Enfin. C'est un hommage aux morts. C'est pour ça que je me bats. C'est une raison valable parmi d'autres. C'est une très bonne raison. La seule valable. Je ne suis pas votre ennemi. Vous devriez peut-être regarder les infos. Écoutez. C'est l'histoire d'un homme qui avait bâti sa maison sur les berges d'un fleuve. Pendant les crues, ses murs s'érodaient. Lors des sécheresses, il n'avait plus d'eau et souffrait de la soif. Le jour, les insectes piquaient la chair de cet homme. Mais chaque soir, il disait à sa femme qu'il ne manquerait jamais de poisson. C'est vous qui avez choisi de faire cette guerre. Vous avez assez bavardé pour le moment. Il y a que la vérité qui blesse. Oh oh.
Franchement, Salim, tu gères. Il gère grave. Moi, je dis qu'il faut se tirer de là vite fait. Il veut pas allumer son sa torche là sur son arme lui. Genre c'est dommage que je puisse pas prendre ça au sol. Dans le sol tout ça. Au lieu de me coller, allume ta lampe torche derrière là, le Marines là. On peut passer au middle là. Ouais, je suis bilingue, je vous l'ai pas dit. Ça ressemble à une infirmerie. Salim, après la guerre, tu te mets au hockey. Ok. Ok sur glace. Si vous voulez transporter des explosifs vieux de 60 ans, libre à vous. Les armes chimiques sont pas loin, c'est ça ? C'est Colin Powell qui les a. Dans sa fiole. Note d'autopsie. Le spécimen contient une quantité impressionnante de sang dans l'estomac. L'analyse de l'échantillon sanguin indique une grande quantité d'adrénaline. L'organisme se nourrirait-il de la peur? Inspire la peur à ses victimes, fait monter l'adrénaline, attaque. Ah ouais, donc il suffit de pas avoir peur. Ah bah ça va, c'est simple. Je vous raconte une blague. Non. Saboteur a encore frappé et nous a enfermés ici. Nous sommes piégés avec ces choses. Tout autour de nous, elles hurlent dans les ténèbres. Crow a braqué sa mitrailleuse sur les catacombes. Marie avait raison. Nous ne pouvons pas lutter contre un ennemi qui n'est pas vivant. Il n'y a qu'une solution. Faire s'écrouler le temple sur leur tête. Quitte à ce qu'ils s'écroulent sur les nôtres également. Pas question que ces créatures sortent d'ici.
tu me laisses passer. Bah, tu peux pas passer ici, là? Quand même, Salim. BPM, ça va. C'est là qu'il avait été enfermé, là, au tout début, là. Ah, je l'ai déjà vu, ça. Marines, t'es collant. Excuse-moi de te dire ça, mais... Déjà vu. Attendez, je coupe le micro. Ça ira sur le cadran, ça, je crois. Eh ouais, sur le cadran, l'espèce de truc solaire qu'il avait trouvé. Je sais plus qui, là. Ouais, là-dessus. Regarde. On peut pas le prendre. Il m'a fait flipper. Des cavernes. Quoi qu'il y ait en bas, c'est là que ce groupe a dû aller. Attendez un instant. Que faites-vous? Vous pensez qu'ils sont encore en vie? Vous gardez espoir? L'espoir, c'est tout ce qui nous reste. Chez les elfes ou quoi?
cette femme? C'est étrange de côtoyer quelqu'un si longtemps sans jamais vraiment le connaître. J'ignorais que mon capitaine était marié. Le connard avec qui vous étiez, là? Il a été tué. Moi, ça me va. Il fait un ennemi de moins à gérer. Connard. Un jour viendra où vous regretterez d'avoir eu cette pensée. Je ne regrette jamais rien. Ah ouais? Ça passe trop vite des fois d'une scène à l'autre comme ça. Oh, sympa le décor. Cet endroit n'arrête pas de nous surprendre. Ça vous inspire quoi? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Vous voyez ce câble d'ascenseur? Les explorateurs ont dû descendre. Je doute qu'ils aient pu remonter. Ce treuil a l'air de fonctionner. Non. Non? On ne doit pas aller en bas. Les archéologues n'en sont jamais revenus, vous en tenez compte? On n'est pas des archéologues. Notre monde à nous est en haut, sûrement pas en bas. Ouais, mais il y a une armée de monstres entre nous à la surface. Ils sont pas loin. Allumez. Vous êtes fous. Si ces vampires viennent de quelque part, c'est d'en bas. Vous voulez vraiment les affronter sur notre terrain? C'est exactement ce que je fais depuis que j'ai mis le pied dans ce pays. Démarrez-moi cet ascenseur. Ah, j'aime pas ça. Resident Evil un peu. Wow. Pas la logique là. Une créature ancienne est sortie de sa torpeur et elle est assoiffée de sang. Et si nous faisions le bilan des disparitions? Espérons que rien de regrettable ne soit arrivé au sergent Kay. Ceux que l'abîme entraîne ne font que rarement de plus. Quant à Jason et Salim, deux ennemis jurés incapables d'enterrer la hache de guerre, ils souhaiteraient plutôt se la planter dans les vertèbres. N'allez pas croire que je veuille vous paraître impoli, mais le temps joue actuellement contre nous. Je tiens à accueillir vos protégés quand ils franchiront la ligne d'arrivée, ou à enfouir sous celle-ci ce qu'il en reste. Il est chelou, lui. Allez, la suite au prochain épisode. Prenez soin de vous. Peace. Ciao.